Salut tout le monde, c'est Revy. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de Histoire of Mine. On l'avait vu hein, précédemment, malheureusement, on a été volé des vieux, on a perdu un homme. Il est mort pour la patrie, il a voulu nous. Enfin, c'est vrai que j'ai un peu cherché misère avec, et ben, malheureusement, ils étaient armés, ils avaient un couteau, ils nous ont poignardé. Je tourne la vidéo le même jour que la deuxième, parce qu'en fait, j'ai trop envie de terminer, enfin, j'ai envie d'y jouer, j'adore ce jeu, sérieusement. Donc, à voir. Donc, lui, il a faim, il est triste, et il a besoin de beaucoup de repos. Donc, on va quand même aller bouffer. On va quand même aller bouffer. C'est vrai que j'ai pas ramené beaucoup de bouffe. Ah ouais, en plus il le sent. Hein. On le voit que ça impacte le psychologique des personnages. Vous avez vu, il a besoin de repos, il a faim. Mais l'autre, ben, il disait qu'il aurait pas dû agresser la petite vieille. Ah, il est triste. Que vont devenir ces gens à présent? Ah, c'est moi j'aime bien ce genre de jeu. Là on voit vraiment que ça l'homme il culpabilise, tu vois. Enfin on a beau gérer le genre, on a beau gérer le jeu, mais bon les personnages n'en restent pas pour le moins impactés. Ouais, dehors. On va tous les faire dormir. Je pense que je vais laisser tranquille toute la journée. On ne va rien faire. Bon, il va aller partir collecter. L'autre, malheureusement, il va monter la garde. Il est obligé. Non, on va pas aller visiter les vieux, ce serait dégueulasse. Quelques nourritures, beaucoup de matériaux. Ouais, il écrit danger. Danger. J'aurais peut-être dû aller là. Hein. On va aller voir. Merde, merde, merde. On espère qu'il y aura personne dans les bâtiments, sinon ça va mal se passer. C'est quand même triste de dire, enfin c'est assez chaud parce qu'il faut savoir ce qu'on doit prendre, il faut à chaque fois faire des choix. On va tout prendre pour commencer, on verra par la suite. J'espère qu'il n'y a personne. Elle disait qu'il y avait des armes. Ok, donc il y a moyen de se cacher ici. C'est qu'il est possible que des gens arrivent. Ouh, il y a quand même pas mal de stuff ici, hein. On pourrait revenir. Là, on est full stuff. À la limite, si on arrive à trouver une arme, on prendra l'arme en premier. Faire gaffe, que je pense qu'il doit y avoir des gens. Il va y avoir des gens. On a besoin de bouffe essentiellement. Donc ça serait cool de ramener un peu de bouffe. Pour la famille. Ok, y a personne. Ok, y a quelqu'un. Ok, il y a des gens là. Donc on va éviter la baston, on est d'accord. Hein. On va éviter la baston, on va monter en haut. Que je peux ouvrir sans me faire spotted. Ok. On va devoir regarder s'il y a des gens. La porte est fermée. J'ai peur qu'il y ait des gens qui montent. Non, c'est pas ici qu'on trouvera de la bouffe. Ah, j'ai fait le con. Des gens. Sur la lettre, on lit: mes très chers Macha, j'ai trouvé refuge parmi les sans-abri. Je ne suis plus un artiste ni un professeur, je suis l'un d'entre eux. À présent, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Certains de mes amis nous ont donc déjà quittés. Ne t'en fais pas. Moi aussi, je partirai en quête d'un refuge plus approprié dès que j'aurai terminé ma peinture. Ok. On va regarder s'il y a des gens.
semblerait qu'il y ait personne. On va voir. Ah ouais, non, non, non. On va pas s'avancer. Est-ce que Red m'entend? Ah ouais. Faut faire gaffe, on va monter. What? Un cadavre? Bon bah on va libre, on part. Bon, j'ai pas envie d'aller voir le SDF, on sait jamais hein, s'ils sont agressifs ou autre, on peut pas anticiper comment vont être les gens. Surtout quand tu vas chez eux, généralement c'est pour piller, donc tu vas pas en mode friendly. Donc à voir, à voir. Ouais, on a trouvé plein de trucs, mais... On a plus rien à bouffer, les gars. Faut absolument qu'on trouve de la bouffe. Moi j'avais quitté la ville. Est-ce que je peux un peu le bâtiment? Ah, ça a duré une heure. Ah ouais, en fait il y a les timers en haut, c'est pour ça. Toujours faim, besoin de repos. Malheureusement on n'a plus rien à bouffer, gros. Cette nuit je vais être forcé d'aller d'aller chercher à bouffer. Si on n'a pas à bouffer, ben ça sera la fin, je pense, pour nous. J'espère qu'on pourra créer des items ou au moins une lame. C'est triste, mais en temps de guerre, faut pouvoir tuer. Du moins menacer les gens, moi. Ok. Donc il manque des planches. On va voir ce qu'on peut craft maintenant. Bycad. Bah désolé pour les vegans, mais je pense qu'on va... On va devoir défoncer du rat ou je sais pas quoi. Je sais pas si on peut les bouffer ou pas, j'espère. J'espère. Je sais qu'on a de l'eau, est-ce qu'on a accès quand même à la boisson ou autre? Avec nos affaires. On va attendre. Ah, qui fait 16 degrés, je pense qu'ils peuvent survivre, on est d'accord. Je pense pas que ce soit mortel. Attends, là, je veux faire quoi? Mmh. Ah, merde. J'ai l'impression que je devrais sortir obligatoirement de la bouffe. Limite, on va créer ça. Hein. Comme ça, on créera de l'eau. Mais bon. Après, il ira dormir. Même s'il est que 9h50 du matin. Vaut mieux le laisser dormir. Elle n'a pas dormi de la journée. Parce que je suppose qu'on peut nous attaquer que la nuit. Ok, et où est-ce qu'il s'est mis le filtre? Est-ce qu'il a fonctionné au moins? On va le mettre là. J'irai le laisser piéter. Ouais, je sais que t'as besoin de nourriture, mais je peux rien y faire, gros. On a plus de bouffe là.
Ouais, malheureusement. Voilà, donc maintenant on sait qu'on peut créer ça. On peut créer de la bouffe. Allez, on va essayer. Ah, t'as assez dormi, c'est cool. Donc tous les deux assez dormi, je préfère laisser dormir la journée. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un hôtel ici. Est-ce qu'il y a prudence recommandée? Ouais, ça sent la maison à bouteilles. Énorme d'armes, mais c'est chelou, ils mettent ça. La danger, j'aime pas. Danger, beaucoup d'armes. Tout ce qu'il nous faut là, c'est de la bouffe, les gars. Bon, on va aller à l'hôpital, partir collecter. Non, c'est pas Val qui va partir, par contre. Toi, tu vas monter la garde. Merde, à chaque fois, je fail. Let's go. Allez, let's go. Est-ce qu'on va pouvoir trouver de la bouffe? Si on trouve pas de la bouffe, je pense que ça sera. S'il est possible, que ce soit la fin. Ce qu'on va prendre, on va quand même prendre du bois. On en aura besoin, quoi qu'il arrive. J'espère qu'il n'y a personne dedans. Là c'est chelou, il y a de l'électricité les mecs. Ouais. Ok, il y a plein de gens en fait. Il y a plein de monde dans la maison, ça va être chaud. Moi ce qu'il me faut surtout c'est de la bouffe. Je sais pas où ils mettent la bouffe. Ah ça c'est... On a déjà eu un peu de bouffe. C'est ce qu'il nous faut. Ah ouais, il y a des mecs armés quand même. Ouais, il a l'air d'être armé. Si je pouvais, ouais, je t'en ferais un gros. Ah, il peut faire des fournitures médicales contre de la bouffe. Oh, pied de biche! Vous avez vu, je peux les entuber, je les ai pris à eux. Enfin, j'aurais pris le stuff. Et ah, le pied de biche, j'en ai vraiment besoin, quoi. Ah, je suis désolé, gros. Je vais juste voir. Je vais voir qui est en haut. On va se casser, on se casse, on se casse, on se casse. On se casse. Elle m'a vu, en fait j'aurais pas dû voler aussi près, je pensais que. Je savais pas comment elle allait réagir. Mais ils ont l'air de pas aimer vraiment, de pas apprécier qu'on leur vole. Donc sur ce, on est au jour 7. Et on va se laisser sur ça. J'espère que ça vous aura plu. Pour vous, combien de jours on va parvenir à survivre avec notre équipe? Je rappelle, il reste plus que deux résidents. Et on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. On commence à comprendre qu'il faut créer du stuff, qu'il y a moins d'échanges avec les gens.
et qui aimerait de leur voler en scred. Donc à voir, on doit être sans, malheureusement on doit être sans honneur je pense. Ça va être chaud de ne pas voler des gens en restant ultra clean vis-à-vis d'eux. Donc on verra ce qui se passera. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, donner votre avis sur cet épisode. Est-ce que j'ai fait des bons choix? Est-ce que vous aurez fait pareil? Et laissez un petit like si ça vous plaît comme d'habitude. Allez, bye bye.